Dans 2 secondes, on commence Another Princess is in our castle. Un Mario 64 like, version horreur. Ah ouais, chaud. Non mais t'en fais pas. Je pense que je ferai la manipulation en fin de live, pour départ. On fera un interchangeage d'écran sur ce PC-là de jeu. Et voilà, c'est tout. Hein. Allez! On est parti! Les gâteaux invisibles au chocolat, les fameux, ouais. Alors! Mais! Ah, je sais. La boîte, elle a pas marché, je sais. Je crois que ça m'est arrivé qu'une fois, mais je me souviens plus comment j'ai réussi à trouver un truc, désolé. T'inquiète, y'a pas de soucis, Coury. Je me débrouillerai, je pense qu'en faisant interchanger les écrans pendant juste un moment où on sera sur le jeu, ça suffira. En vrai, ça suffira. Alors, donc ça va être de la survie. La boîte vit sa vie, longue vie à elle. Là, elle est en train de voyager, tu vois, elle fait « Oh là 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 !» Avec la musique du Chouaillette, ça, en fond. Alors, la musique « tac, ton tac, ton tac. » Tac. Du coup, c'est de la survie. Donc, il y aura Peach et 2 Toad qui seront en train de patrouiller dans le château. Ils peuvent voir et entendre de très loin et me verront aller dans les coffres si ils sont proches. Et ils chassent plutôt vite. D'accord. Superstar. Et après, il y a Invisibility Star. Wings. No one's home, explore Peach Castle as you like. Ok. Donc là, il y a le mode où il se passe rien parce qu'il n'y a personne dans le château. Là, après, il y a juste Peach. Là, il y a Peach et un Toad. Mais on va mettre le mode normal. Je pense que c'est ça en vrai. Let's go. On va tester le jeu. On verra ce que ça vaut. Et après, je pense qu'on passera sur les 2 autres jeux qui me restent à faire aussi. Hein. C'est très bizarre d'être sur un jeu au graphisme Nintendo 64. Genre, oh là là, ça rappelle des souvenirs. Vous savez que ça, je vais paraître vieux là en vous disant ça, hein. Ça c'est mon tout premier jeu de console de salon. Mario 64 c'est mon tout premier jeu de console de salon. Ah y a pas les cris de Mario quand je saute. Bon en même temps ils ont pas le droit mais ça aurait été drôle. Ok y a du stamina derrière moi qui est... D'ailleurs je vais me mettre de l'autre côté comme ça vous voyez un petit peu le stamina je pense. Hop, comme ça vous voyez mon stamina juste à droite là-bas. Fireflower, c'est le mode hardcore, Tommy. Non, arrête. C'est le mode hardcore, c'est sérieux? Et yo, Glitcho, comment ça... Glitch, pardon, comment ça va? Glitcho. Ou Glitchou? Non, comment on prononce? Tu préfères Glitch ou Glitchou? C'est particulier, lol. Un petit peu, ouais. Aïe, ah, yo! Coucou, Biski, comment ça va? Ah, j'ai trouvé la porte. Ok, donc ça, c'est pour avoir l'item. Oh non. Ça commence. Comment ça va, Miski? Wow! Ah oui! Ça déconne zéro, là! Bon, je vais pas en faire beaucoup des parties, je pense, de ça. Hein. Ça va me saouler très vite, je pense. Le fameux piano de Mario 64, oui. Le famoso. Je viens de rentrer du travail, let's go. Bah, j'espère que t'es pas trop morte, ça doit être compliqué en ce moment. Avec les vacances qui approchent. Parce que t'as les mêmes cubes, mais la caméra est différente. Lol. Oui, non, mais complet, oui, c'est carrément autre chose, là. En fait, c'est les mêmes patterns, oui, mais c'est juste que, ouais, c'est complètement différent. Cette douce musique. Je pense qu'elle m'a entendu courir, en fait. Il faut pas que je cours. C'est bien le mode hardcore, ouais, je crois aussi. Hein. Petit accident ce soir, une gamine s'est cassé le nez pendant mon anniversaire. J'ai dû nettoyer tout le sang. Oh, fait chier ça. Ça a dû faire chier. Bah, bon courage du coup, Miski. Hein. Cache-toi direct, ouais, je pense qu'on va faire ça. Hein.
Tommy voit une description qui te dit tu vas douiller après avoir vu une difficulté plus simple. Oh bah, c'est le mode normal. Oui, c'est ça en fait. C'est ce que je me suis dit, il y a un Todd, donc forcément ça doit être le mode normal. Ok, je crois que je peux ressortir. Ah oui. C'est moi Todd, ouais, c'est ça, Remiku. J'en chie là sur celui-là, mais je pense que ouais, je vais me cacher direct, hein. On va pas se faire chier. Putain, la connasse. Salut, faux speech. Ça fait deux Todd et vitesse méga fast. Oh putain. J'aime beaucoup celui-là pour l'instant. Je sais pas, j'ai un peu peur qu'il soit très dur. Hein. Tu m'as pas vu. T'es juste bête. Ok, il est juste bête. Mais attends, mais il y a un Todd fantôme maintenant. Ok, donc tout ce qui est vivant en fait dans le château, faut que je me... C'est quoi, c'est... Les Todd zombies, t'as vu ou pas? Ah, elle est canon, pas énervée, lol. Non. Elle est pas mal, pas énervée, c'est vrai. Faut juste que je comprends... Ah! Ah! J'ai peur! Je sais pas ce que j'ai pris! Oh, c'est tellement dur! Mais il est si dur leur jeu là! Vous savez quoi? On va prendre que Peach en fait, c'est mieux hein! Miam! On va prendre qu'avec Peach hein, pour l'instant parce que le Todd déjà il me saoule! Mais t'as un coffre, cache-toi dedans, mais je l'ai pas vu. Eh, vous êtes drôle, vous. C'est complètement con, lui. Parle de moi, là, dis donc. En fait, ouais, ça, ça lance la partie. Hop. Il est sur ton chemin, idiot. Oui, mais attends, attends. L'explication, c'est parce que il disait bien dans le jeu, si je me cache devant elle... Elle le voit et du coup elle vient me chercher. C'est ça le problème. Oh, attends. J'ai l'impression qu'il faut que j'explore en fait le château pour réussir à sortir. Genre là tu vois il y a un truc là, c'est quoi ça? Voilà. Ils ont un pattern très fixe, j'ai l'impression, MDR. Je crois. Hein. Ça m'a l'air d'être assez fixe, ouais. Ok, je vais séparer en bas. Je vais essayer d'aller de l'autre côté. T'inquiète, tu vas y arriver, Sherlock. Je vais essayer. Hein. Je vous promets pas tout, du tout d'y arriver, mais je vais essayer. Là, il y avait un coffre là-bas à gauche en fait que j'ai pas vu. Je sais pas ce que ça veut dire ce son en fait qu'il y a. Ça veut dire qu'elle vient? Ou alors ça veut dire que je la vois? Je comprends pas trop ce son là. J'ai l'impression que c'est quand je la vois. C'est pour dire qu'elle est proche. Ok.
Là, elle est en bas pour l'instant. J'ai besoin de 5 âmes. 5 âmes? Ah, c'est ça les trucs! J'ai besoin d'une clé. C'est ça les trucs que je ramasse, c'est des âmes! Ok, je commence à comprendre ce que je dois faire. Oh, je me suis kéblo dans le. Ah, par contre, elle est en bas en fait, fait chier. Imagine, je passe la porte, elle est devant moi. Je crois que je l'ai vue. Ah non, c'est une âme. C'est une âme que je vois. Encore une. T'es pas loin là. Oh, je sais pas où elle est, mais elle est pas loin du tout. Hein. Je vois plutôt ça comme une façon de t'annoncer qu'elle est pas loin. Oui, je pense. Hein. Il se déclenche quand elle est à proximité. Oh là là. Il me faut juste lui là. Je pourrais monter sur la porte à étoile là en haut. Je suis déjà à 4. J'arrive pas à savoir où est-ce qu'elle est, cette grognasse. Je l'ai entendu. Je suis pas bien. Oh, connasse! Ah, la pute. Genre, elle est passée la porte où j'étais, tu sais, genre. Connasse! Mince, presque, si proche, ouais. Vous en faites pas, je commence à comprendre le principe du jeu, c'est juste du die and retry, de toute façon, hein. Ça m'étonne pas, mais. Ok. Mauvaise porte, oui, je sais. La cave, en vrai, c'est le pire truc. Allez, hop. Mario! Mario! Pardon. Mario! It's me, Mario! Je vais t'enculer, Peach! Pardon. Ah, oh, Wingardium Leviosa! Elle loupée, je suis pas devant! Enfin, je suis pas derrière. Connasse! Je l'ai entendu. Hein. Du coup, il te le vieux à toi. Je vais m'envoler. Mario. Voilà. Je suis pas là, ma Peach. Peach, 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 Peachounette. Peach, 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 Peachounette. Voilà, je t'adore pas, par contre. Hein. Allez, bisous. Le mec qui a rien capté, tu sais, il y a un fantôme démoniaque de Peach qui l'appelle et lui, il est là en mode « It's me, Mario !»« Je t'adore !» Peach, t'es trop cool. Et à notre mariage... Putain, elle est où, ce con? Sur ma gueule, sur ma gueule. Vas-y, je vais l'écouter pour la peine. Oh non, pas cette chanson. Eh si. Mario. Merci pour le pas de courrier. It's me, Mario. Je suis dans le coffre. Viens ici. Fais pas le guerrier. Peach.
Où est-ce que tu es? Je vais me faire enculer, je le sens. Trois âmes. Connasse. Oh la pute. Ouah wow, la connasse. Ouais c'est ça ouais. Oh la connasse. Ouais pars-toi ouais. Coucou chérie, comment ça va? Comment ça va? Je viens de failli de mourir. J'ai failli crever. Ah non, attends, c'était là. Ok. Ça va. Ok. Les clochettes quand elle est à côté, la musique quand la mort arrive. Ouais, non, mais complet. Hein. Ok, c'est cool si ça va, mon cœur. Tant mieux, tant mieux. Coucou Miku. Attends, mais elle est là-haut? Arrête. Ok. On va vite passer là. Hein. Mario! It's me! Mario! Bon, je vais aller là. Hein. Je sais pas pourquoi je le sens bien ce coffre là. Regarde sa tronche. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Oh, j'en étais sûr! J'en étais sûr, les bâtards! Le tableau, il a changé. Ah, j'ai pas vu. Je savais qu'elle allait venir, la connasse. Mario! It's me! Je me casse! Genre, c'est passé. Mais you need a key! I have a key! You fucking bitch! Renzo! Tableau de Peach est devenu rouge. Ah, j'ai pas vu. Il fait trop le fou. Bah, t'as vu ou pas? What the fuck? Mais j'ai pas compris, ouais, la porte elle s'ouvrait pas là. Oh! I have the key! Open it the door! Oh, si je meurs à cause d'une erreur, ça me fera chier. Mais you need to... Où elle est. Attention derrière toi, un coup pas. Yo Derstitam, comment ça va? Bon, je vous avoue que je comprends pas. Là, il y a une clé que j'ai, mais je sais pas où elle va. J'ai un inventaire? Non. J'ai peur. Ça va, nickel. Pardon. Sans doute dans une serrure. Bah, je suis allé à la porte avec une serrure et ça marche pas. Je comprends pas là. Asie dans le doute. De quoi? Non mais non! Ah! Miku, t'es pas cool! Une porte que t'as pas vue peut-être. Ouais, peut-être dans le sous-sol. Ouais, je vais essayer d'aller voir. J'ai pas du tout vu cette clé. Peut-être dans le sous-sol. Au tréfonds du sous-sol, je pense. Y'a un truc que j'ai pas vu. Putain. Eh, t'es pas loin. C'est de l'amour vache, Tommy. Ah ouais? Et tu es un taureau? Pardon. Mais elle est où, ce con? Oui. Ou alors tu es la vache. Bien joué, je reconnais. Ah. Par contre, vraiment... J'ai peur de sortir en fait là. Si elle est derrière la porte, je rage quitte. Ça va. Oh, elle est en haut. Faut que je me dépêche. C'est là, c'est là, c'est là. Je suis sûr que c'est là.
Yes. C'était la cave. Merci d'avoir joué. D'accord. Ok. Ok.